Salut à tous, c'est Tinou CLT. Je vous retrouve aujourd'hui sur xboxlive.fr pour une nouvelle vidéo consacrée au dernier mode de jeu dévoilé pour Battlefield 1, les incursions. Lorsque j'étais à la Gamescom, en fait, j'ai pu tester le jeu, le mode, durant 3 sessions, donc faire 3 parties sur ce nouveau mode. Alors déjà, pour les détails techniques, sachez qu'il y aura une alpha fermée, mais qui ne sera disponible que sur PC, malheureusement pas sur Xbox One pour le moment. On a joué sur la carte l'ombre du géant, qui a été retravaillée pour le mode de jeu. Elle est beaucoup plus petite que la carte qui est dans le jeu de base. Alors pourquoi plus petite? Parce que en fait les incursions, c'est un mode qui voit s'affronter 2 équipes de 5 joueurs. Chaque joueur en fait aura la charge d'un rôle prédéfini, pourra pas changer durant la partie. Et donc durant la Gamescom, en fait, il y avait 5 rôles qui étaient jouables. Donc il y avait le chirurgien, l'infirmier qui soigne et qui réanime les soldats alliés. Il y avait le chef de contrôle qui est quelque part chargé de faire progresser l'équipe sur le terrain avec ses grenades fumigènes pour rendre invisible ou en tout cas permettre de progresser à couvert. On peut aussi réapparaître sur lui, donc c'est vraiment c'est le chef des squads. Il y a le sapeur d'assaut, donc lui qui est plutôt dans la destruction de véhicules, c'est vraiment lui qui est chargé de détruire le véhicule adverse. Vous avez le mécanicien qui du coup lui c'est le conducteur de véhicules et qui est chargé aussi de réparer ce dernier. Et enfin le soutien, donc celui qui rend des munitions aux autres joueurs, qui peut tirer à coups de mortier, etc. Donc pour le moment ça change pas énormément de ce qu'on connaît dans le jeu de base, mais à savoir que les développeurs vont introduire de nouveaux kits au fur et à mesure que le mode de jeu va se développer. Donc on sait qu'il y a déjà trois nouveaux personnages qui vont être introduits dans le jeu. Donc c'est le chef d'attaque, très fort au combat rapproché avec son fusil à pompe. Il peut placer des balises de réapparition pour demander des renforts. Il y a le soldat de choc aussi qui est plutôt équilibré, et enfin l'avant-coureur, donc plutôt éclaireur, sniper, qui peut permettre de repérer plus facilement les ennemis sur la map et tout ça. Donc pas foufou, c'est ce qu'on connaît quoi. Donc après ça nous dépayse pas, c'est pas plus mal. Le mode de jeu consiste à capturer les 3 drapeaux de la map, sachant que seul B est capturable au début de la partie. Si vous capturez B, vous pouvez ensuite progresser vers le point de le drapeau ennemi. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, donc c'est beaucoup plus stratégique. Et voilà, c'est pas des combats à grande échelle, c'est vraiment chaque frag, la destruction du véhicule est très pénalisante pour son équipe, sachant qu'il n'y a qu'un seul véhicule par partie. En fait c'est un char ou un auto blindé selon le camp dans lequel vous êtes. Donc au final ouais, c'est une expérience plutôt sympa, ça change vraiment de Battlefield 1. Dans le sens où, voilà, c'est pas les grandes maps où on passe son temps forcément à courir après les objectifs ou les frags. C'est beaucoup plus teamplay, donc c'est agréable, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé que le jeu de base, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu dans leur coin, à s'occuper de leurs frags, qui jouaient pas forcément les objectifs. Donc là ça change beaucoup avec ce mode de jeu. Alors bien sûr, on était en présentation presse, donc les journalistes avec lesquels je jouaient forcément le jeu. Ils n'allaient pas rester dans leur coin, surtout que vous allez pouvoir constater vous-même, il y a un des développeurs qui nous criait ses consignes pendant qu'on jouait pour essayer de remporter la victoire. Donc voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront suffi. Je vous laisse en compagnie du gameplay pour que vous puissiez un peu voir comment ça se passe. Et je vous donne rendez-vous sur xboxlive.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Oh nice. I'm on Charlie capturing. Okay, they're coming from the left side too, guys. Are they? Two more, 3 more pushing. That's on the left. 3 of them coming down there.
One in the barn. There's still one left, support. I got him. Nice. Machine gun right there! I'm going to. There's one on the bridge, on our side. He doesn't want me to die. Can only spawn on aim. I'm almost got C, Alright, I got C. Push up. Right, I'm coming for the river. The tank is on Charlie. Just make them lose time and... Yeah, this is the last point before half. They can't take B before they'll bleed out. Waste time at C, it's fine. The sniper squad, if you can take like a good position for the respawn. They're disrespecting my name. Because I was gonna stomp the. Because we split them up. Yeah. We split 3 and 2 comp players. I didn't think like. I know. Oh well. But yeah, I'll hold back a little bit. Yeah, that's fine. Hopefully you can. Because otherwise, it's only 6 rounds. No fun. Yeah, you can also spawn in the car if you want. Let them maybe cap the flag. Sure? Yeah, let him cap the big side. The sink is right there! Where are they? Big nice. Huh? Everyone gets one. Oh, fuck that. Thanks, man. Tank is coming. Watch out. What's up? What's the tank? Oh, this is the beginning. Yeah. And fucking die. Oh. This monkey is just gone, but it's not here. Come on, just all respawn from C and let's push up together. Wait, I got this. Fuck me. Oof. Down the right side. Movement! Oh, what the fuck.
They're pushing up the flank. We are losing objective Charlie. Three guys are coming up. Coming in three right now. And then whoa, back. What? Bag is somewhere. Holy shit. Come on, get the kill, send them. I got raped. More direction coming in. The hard pack is up, but there is a tank in the fuck me. Yeah, they're gonna make the comeback, guys. Let's fucking cap this. Yeah. Lol. What do you do? Can't spawn? I got the tank. Okay, let's I got a knife at C in the building. Right in the building. Just wait. Don't go. Just block the flag. Block the flag if you can. Fuck. Down the left. Let's come. I'm supposed to. I killed myself. Okay, now it's a missile shot, yes. Get him. We have taken nice. Objective charge. Push, push, push. Get on the one more on the left. Wow, lol. Who's the squad leader? Ivy, nice. Fast, fast, get on the point. Eyes on an enemy pilot! What the? We are losing objective Buster. Well. You saved the game.